Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armstrong. Donc on joue ensemble à Borderlands 3, c'est la 49e vidéo. Déjà, ça passe très vite. Donc on est sur Sanctuary, on doit aller voir Lilith. Moi du coup, entre la dernière vidéo et celle-ci, j'ai farmé un petit peu. J'ai retrouvé une arme légendaire. Donc en tuant la bébête là sur Eden 6, je sais plus. C'est un nom en plus, le Chupacabrax, un truc comme ça. Donc c'est l'arme là, c'est un pistolet acide. Je vais vous le montrer d'ailleurs, il est énorme. Énorme. Tac. Voilà. C'est franchement, vous verrez, c'est... Et en plus, il y a un... Donc on tape on, rayon de dégâts de zone 85, dégâts de corps à corps 40, cadence de tir plus 33, donc ça fait que ça lance des slaves, un truc de fou. Le seul petit bémol, c'est que il n'y a pas un gros chargeur. Ça, c'est un petit peu dommage. Il y a 325 dégâts par seconde d'acide. C'est un truc de malade. J'ai regagné deux niveaux ou un niveau, je sais plus. J'ai refait mon build, donc du coup j'ai réinitialisé le build. Et donc du coup j'ai enlevé... J'ai enlevé. Attendez, je fais des bêtises. J'ai enlevé ça. Donc j'ai mis ça. Tac, tac. J'ai un nouveau mod, donc, que j'avais trouvé, qui avait plus de là et plus de là. Donc ça fait que j'ai 5 sur 3. Je suis à 1 de vie et au maximum de bouclier. Donc voilà. Et en bleu, là j'ai ça et je peux remettre 2 points. Donc je vais les rajouter là pendant que je suis avec vous. Tous les dégâts de zone infligés par Mose ont une chance de doubler leur zone d'effet. De plus, les dégâts de zone infligés par Mose et l'ours de fer augmentent. Ok. Dégâts de zone. Ok. Et ben, tac. Tac. Voilà. Ça, c'est bon. Et je sais plus. J'avoue autre chose à dire. Je sais plus. Ouais, j'ai farmé pas mal. J'étais refaire les... les singes là, les... enfin bon, qui se démultiplient comme les gremlins. J'ai fait plusieurs farms. J'ai trouvé des armes qui allaient super bien pour le faire. Donc je pense que je le referai de temps en temps pour arriver jusqu'au niveau 50. Donc voilà. Les amis, sinon, bah, pour les nouveaux arrivés sur la chaîne, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Pour cette vidéo, bah, le petit pouce, le commentaire qui va bien. Si vous voulez la partager, allez-y. En attendant, j'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous allez bien. Donc portez-vous bien les amis, je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous dis à très vite. Allez, on va voir Lilith. Donc on continue à avancer dans la trame principale. Vous avez trouvé mon amplificateur d'iridium. Ok, l'amplificateur d'iridium de Tanis est en place et les forces de Vaughn à la surface n'attendent qu'un ordre. On n'aura plus jamais une aussi bonne chance d'attaquer les Calypso. Transmission à top. Des Calypso, ça marche. Ça devrait être intéressant. Hey, les gobeurs de merde. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, lui? Oh, il est sur le point de vous exploser la gueule par la nuit. Hein? Regardez un peu là, les bouseux. Ah ouais, quand même. Pouvoir. Pouvoir divin, les gros. D'accord. C'est la merde. Des balèques, je suis sur le... Tout le monde va bien? Eh, hey, dis donc, comment t'as fait pour verrouiller la lune entière? Waouh! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est la lune entière, bande de cons! Vous aviez la clé de la grande arche devant vos gueules de débile depuis le début! À la base, j'avais prévu d'aspirer à cette monstre de l'arche pour la charger moi-même, et puis... Vous nous avez agité sous le nez votre amie Maya la sirène, et maintenant Troy peut utiliser de l'héritier.
Quand j'aurai chargé Elpis, la grande arche s'ouvrira. J'aspirerai le monstre à l'intérieur et on deviendra des dieux. On vous inviterait bien chez nous pour la grande teuf, mais bon, on va faire ça en famille. On se voit à la fin du monde. Ok. Mais non, Claptrap, c'est pas foutu. Reprends-toi, Claptrap. Lilith, on doit empêcher Troy d'ouvrir la grande arche. Mais tant qu'il continue d'absorber de l'iridium, il sera quasiment invincible. Alors on lui coupe l'accès. Chasseur de l'arche, quand Tanis aura détruit ses tourelles, tu pourras donner l'assaut. Les assauts, c'est ma spécialité. Et le premier qui veut mourir pourra attaquer Dairine et Troy. La mort, c'est aussi ma spécialité. Ava, t'es prête à couvrir le chasseur de l'arche? Ah ouais? T'es sûr? T'avais raison. On doit courir droit vers le danger. C'est parti, tout le monde. Chasseur de l'arche, va t'équiper et dire au revoir. C'est l'instant de vérité. Ah, mais on n'est pas... Viens me parler avant d'y aller, d'accord? On n'est pas loin de... De la fin du jeu, hein, les amis, je crois. Parce qu'on va pas retourner sur... On va abréger. J'ai toujours cru que le statut divin des Calypso était purement rhétorique. Mais si Tahirine absorbe le monstre de la Grande Arche... Qu'est-ce qu'un dieu, si ce n'est l'être le plus puissant de l'univers? Qui passe un peu, recrue? On va essayer de dire au revoir à tout le monde, je sais pas si ça confère pas un bonus. Et il faudrait que j'aille voir en bas le vieux fou là, s'il a pas un truc sympa à vendre. J'ai vu qu'il y avait des super... qu'on pouvait avoir des... Chasseur de l'arche, ainsi donc nous voilà. Les boucliers super puissants. Au bout du chemin, semblerait-il. D'au moins 5000. J'ai totalement foi donc en avec votre pouvoir, capacité on serait au moins à 12000. Envoyez vos ennemis à Patres. C'est dans votre nature. Mais par pure précaution, Wainwright et moi tenions à vous offrir ceci. Hey, hey. Bah on le prend. Oui. Merci. Sympa. Ça me rappelle la fois où je flâne. Non, là, ça donne rien. On va aller voir Ellie, on va aller voir le vieux en même temps. Je sais pas si on a un bonus, si on voit tout le monde. Je me dépêche, parce que du coup, c'est un peu chiant. Parce que du coup, il y a plein de missions secondaires qui sont pas faites. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. C'est... On est au niveau 42, on est pas mal. Je vais pas te dire que ça m'ennuierait de voir partir, parce qu'on sait toi et moi que c'est pas vrai. Protège-moi ce petit cul quand il sera en bas. Je vais te soutenir à fond. Bah zéro, je sais pas où il est. On va peut-être pas dire au revoir à tout le monde en fait. Hein. Parce que je sens que ça va vite, mais... C'est pas bien grave de toute façon. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Ouais non, ça m'intéresse pas... 5135. Moins 25% de délai de recharge. Ouais, non, je pourrais trouver mieux, je pense. Non, bon, on prend rien. Allez. Je garde mon iridium, on ne sait jamais. Même si c'est pas là, ce sera pour une autre partie. Bon, allez, on va aller voir. On va aller à l'action, là. J'ai envie de... J'ai envie que ça bastonne un peu. Ok. Bon, c'est optionnel, hein, d'aller voir les gens. Elle. Pour toi, c'est happy hour tous les jours. J'ai pas besoin. Bonne chance, chasseur de l'arche. Oui, merci. Je suis perdu. Ah, c'est pas là qu'il faut aller. Mais non. J'arrive à me perdre dans le vaisseau, quoi. C'est beau, ça. Voilà, c'est bon. Allez. Il y avait zéro, là. Ah, il est en bas. Ouais, hop. Allez, c'est bon, je redescends pas. Maurice, bah du coup... Ouais, ok.
Ok, ok, ok. Toi, c'est Lilith. On va aller voir quand même. En bas. Ah, oh, c'est pas vrai. Ava. J'étais paumée après que Maya... Enfin... Tu sais quoi. Mais toi non. T'as continué. Tu laisses jamais rien t'arrêter, chasseur de l'Arche. Alors on va les écraser ensemble. Pour Maya. On va pas se mentir. Je suis un peu un expert en sauvetage de monde. Alors un petit conseil pour ma recrute. Quand tu regardes droit dans les yeux de la mort, en Marcus. Marcus, il va peut-être donner une arme. De l'Arche, ça se bouscule au portillon. Alors les pillards écarlates s'en remettront. Ne remercie pas pour les encouragements. De rien, de rien. Chasseur de l'Arche, quand il sauvera le monde, je veux pas qu'on dise que Marcus a rien fait pour toi. Alors, juste pour cette fois, voilà des munitions... Gratuite. Je t'interdis d'en parler à qui que ce soit. Et surtout, meurs pas. De tous mes clients, c'est toi que je préfère. Ok. Moi aussi, je vous aime bien. Alors, du coup, on s'en va. Ils nous donnent que dalle. C'est super cool. Bon, je vais pas faire la bêtise deux fois. Allez, c'est bon. Ça y est, tout est prêt? Haha, carrément! Mon ours de fer a très envie de se battre. Il est temps de s'occuper des DDA et d'éliminer les Calypso. Va au repos de Roland. Vaughn et Tanis t'attendent là-bas. C'est Tifar. Il est temps de refroidir les Calypso et les sauver Pandore. Et après, gros stuff avec MC Balex. Recru! Aide-moi à retrouver mon gentil petit gars! Je me suis trouvé un nouveau meilleur ami. Je l'ai appelé Kevin. Comme ça, j'ai... Allez. Hop. On voit l'âme diabolique. Allez, c'est parti. Avancez un petit peu quand même, parce que... C'est bien beau tout ça, mais... le temps passe et on fait rien. C'est toujours pareil. Mais là, on approche. Hein. On approche doucement, mais sûrement. De la fin. Parce que là, ça doit être les derniers chapitres. Après ce jeu, voilà, c'est soit on trace... On fait toutes les missions principales l'une après les autres. Autrement, bah, tu farmes, tu fais les missions secondaires. Tu rallonges un peu le jeu, quoi. Après, il vaut mieux faire ça en... Vraiment essayer de le faire pour looter les armes légendaires en deuxième partie. En partie plus. Ok. Ah, est-ce qu'on a... Des flingues pour toutes ouais, les occasions. Non. Reviens me voir plus tard pour faire affaire. Hein? Des munitions. Sans ça, t'es juste un glandu avec un presse-papier. Argent. Fais confiance à ton ami Marcus. T'as besoin de ce que je te vends. C'est vrai qu'il faudrait que j'en achète une avec l'argent pour les mobs. Je ne suis pas un vrai docteur, mais mes midocs marchent quand même. Ok. Allez, on va voir Vaughn. Vous avez trouvé mon amplificateur d'iridium? Bravo! Le maillon manquant entre le scientifique et le chercheur, c'est l'universitaire. Chasseur de l'Arche, c'est le moment! Dès que t'auras pris ses tourelles,
On donnera l'assaut ensemble. Bien, à moi de jouer les héroïnes. Il est fou, lui. Quand je m'imaginais sauver le monde, c'était plutôt en trouvant le remède d'un fléau biologique que j'aurais libéré par accident. Ah, ça a l'air dangereux, ce machin. Ça sert à quoi? Ça donne des super pouvoirs, c'est ça? J'ai un petit peu envie de lécher, quand même. Je suis prête. J'espère. Mon Dieu! Wow, elle est en train de se charger! Go, 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 go! Siren style! Je me sens... puissante! Elle s'envole! Chasseur de l'Arche, je vous retrouve un peu plus loin. Si je dois aussi jouer les héroïnes, autant utiliser le jargon, pas vrai? Alors, Taillon! Allez, bon, bah allez. Ma couille. Non, mais. Je vous attends, chasseur. Reste tranquille, garçon. Fonce ma couille. Et... il m'a pris pour son pote, quoi. Bah oui, bah fonce. Fonce, oui, je vais bien foncer. Moi, j'ai pas de véhicule. Allez. Allez, on y va. Un petit peu d'action. Je me trompe pas, c'est par là. Non. Idiot. Idiot bête. C'est là, mais oui. C'est les ballons. Voilà. Nettoyez la zone, chasseur de l'arche. Je dois me concentrer tout en murmurant des mots doux électriques à cette tourelle. Nettoyer quelle zone? Ah, celle-là. Ok. Allez. Faire une petite démo, les gars. Ok. Pas de soucis, pas de problème. Donc là, vous voyez la puissance de mon arme. Ah bah envoyez qui vous voulez, y'a pas de problème. Et plus j'en tue, plus je suis fort, alors allez-y. Envoyez-moi du monde. Allez, en boîte atterrime, ramenez-moi tout ce que vous pouvez là. Moi je suis content, hein. Plus y en a, facile à tuer, plus je... je vais y arriver, le bouclier grandit. Donc moi c'est tout bénef pour moi. Changement de phase en cours. Que le chaos contrôlé commence! Pas mal. J'ai pris le contrôle de toutes les tourelles et je leur ai promis la clémence. Merci de les accueillir parmi les pillards écarlates. Merci. Donc voilà, comme on peut voir, j'ai mon build un point de vie et tout le reste c'est le bouclier. Donc quand j'aurai encore un meilleur bouclier, on aura, on va dépasser 11 000, 12 000. Et quand on combat, ben on est encore plus fort. Alors. Voilà. Cathédrale of the Twin Gods. Si vous entendez grincer, c'est mon fauteuil, hein, les amis. C'est pas mes vieux os qui grincent. Même si je commence un peu à prendre de la bouteille. C'est le mon siège, je sais pas pourquoi. Et... après, c'est pas méchant. Hein, et pas... mais... Attends, j'ai resserré la molette en bas, je sais pas. Je l'avais desserré complètement une fois, donc je sais pas, ce serait pas que je la redesserre. Après, c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. Les chargements sont assez longs quand même. Les chargements sont assez longs. Alors. Pour ma respawn. Et puis bon, pour les ah, bien notre ami qui est revenu là. Jacobs aussi est avec vous, chasseur de l'arche. Montrons à ces fanatiques la puissance des pillards écarlates. Ah, mais ça fait plaisir. C'est parti, mon kiki! Équipé, l'opération Chevauchée Sauvage est lancée!
excellent. Ça te semble assez gros comme danger, Ava? On va y arriver. T'arrêtes surtout pas, chasseur de l'arche. Fais ton boulot. Tu maîtrises le chaos mieux que personne, je sais. Yeah. Je ne m'arrête pas. Je suis en route. Oh! C'est un copain, je tire dessus, moi, Woody. J'ai jamais vu une telle puissance. Si on se dépêche pas d'arrêter Troy, il va complètement détruire Pandore. Voilà. Allez. Bon, on a débloqué. L'avantage, c'est qu'on a débloqué un point de chute. Donc, pour revenir. Voilà, allez. Je vais juste voir où j'en suis niveau temps. Hé, hey, chasseur de l'arche. Après, là. Tina m'a donné ça. À toi l'honneur. Ouais, justement, j'en profite. Ok, allez. Salut la porte. Boum. Boum, t'es plus là. Messieurs, merci, dames. Toujours là pour toi, Ava. T'es ma sister. Donc ce petit pistolet là, comme vous pouvez le voir. Et il pique, hein. Il fait mal. Votre attention, fidèle de niveau Iridium. Enfilez vos lunettes en édition limitée pour pouvoir nous admirer sans devenir aveugle. On est des dieux, putain. C'est fouillant. Depuis le temps que j'attendais ça. Je ne perds pas. Merde, j'ai perdu le compte, là. Ouais. On dirait qu'ils sont en polystyrène, sérieusement. Ah, il y a quelque chose. Hop. Hop. Si jamais, peut-être quelque chose de sympa. Message de Typhon. Hop là. J'ai le pognon des crétins d'historiens. Je me suis payé un vaisseau tout neuf et les valises sont prêtes. En voiture. Lida et moi, on part à la recherche de la planète Necrotafeio, berceau des Hérithiens. Vous pouvez essayer de nous prouver si ça vous chante, mais attention. Si vous suivez les traces d'un géant, vous risquez de mettre le pied dans un caca Maos. C'est un Typhon. Jamais. Hé, Lida, t'as pas vu mon jambon dorsal? Hé, chasseur de l'arche. Ok. L'entrée est droit devant. Je te retrouve là-bas. Pas de soucis. Donc, on voit vraiment qu'on fait un dégât monstrueux. Après, on est quand même un niveau de quelques niveaux au-dessus. Du coup, vu que j'ai farmé un petit peu, je pensais que les personnages s'adaptaient au niveau. Je sais pas pourquoi. Parce que là, on avance dans l'histoire qu'on n'avait pas avant. Donc j'étais persuadé que les adversaires s'adaptaient au niveau. Mais après c'est pas grave. C'est pas bien grave, de toute façon on les aurait fumés pareil. Hein. Là on les fumait un peu plus vite mais... Franchement, vu la puissance qu'on a et le build qu'on a, on est vraiment très très fort. Et je dis pas ça pour me vanter, hein, c'est vraiment la vérité. Parce qu'on multiplie tout, plus on tue des... Déjà on est plus fort, on a une meilleure puissance de feu qui se multiplie, on a des dégâts incendiaires, des dégâts de zone multipliés, c'est... Et encore, c'est pas le meilleur des builds. Hein. J'ai pas tous les points, il y en a un où tu peux avoir limite les grenades infinies, je crois. Ah bon, ça on, je pense pas que je... Bah non, on pourra pas le voir dans la première partie. Oui, pas de soucis. T'es trop gentil avec eux, Tyrene. Écoutez, bande de crétins dégueulasses sans cervelle. Je suis en train de charger une putain de lune là. Alors pourquoi est-ce que ces rapaces sont encore en vie? Tu les tous ou je vous démembre la part. Ouf. Fils sur vos cendres. Bravo.
Relevez votre liberté. Voilà. Recyclez-moi. Bon. Non, allez. Tiens. Bonjour. Voilà. C'est tout. J'ai que ça à dire. Je n'ai que ça à dire. L'arme là aussi, elle est excellente. Bon, Ah, il y a une arme. Il y a une cache. Il faut faire quoi? Ah, il y a peut-être une trappe. Non, bon bah. Après, c'est pas grave. C'est un passage là. Voilà. Voilà, justement. Un peu, ouais. Quel adorable accessoire en cœur! Ça sert sûrement à rien, mais en tout cas, c'est très joli! Ouais, je le prends au cas où, mais. Pas plus intéressant que ça. On peut ouvrir la porte, je sais plus. Non, même pas. Allez, zou, on continue! L'arme là, quand on tient l'ennemi, il explose. Ça fait qu'on le transforme en grenade. J'avais complètement oublié ça. Je suis retombé dessus en utilisant l'arme pendant que je farmais. Dans la... Je laisse personne debout. Ça ouais. Fait que vous faites des grenades humaines. J'éclate tout sur mon passage. Mortel, on veut des renforts. Il y a un peu d'iridium là. Ah bah tiens, grand bien de face. Noyez les rapaces de l'arche dans votre propre sang s'il le faut. J'en ai rien à foutre, vous faites ce que je dis. Et voilà. Pas de problème. Ouais, c'est quoi ça? Tiens. Ça c'est moche. Mangez-moi. Voudrez-moi le paprika. Viens chercher les régis. Ouais, c'est tout. C'est tout les gars. C'est tout ce que vous avez. Ok. Moi ça me va bien. Ouais, y a rien. Hop.
Divine. Hé, hey, toi là-bas. Tu crois en moi, pas vrai? On est. Hé, hey, reine divine. J'obéirai à tes ordres. Oh, alors ça, c'est top. C'est tout? Hé, hey, Troy, t'as entendu? Ça peut peut-être marcher finalement. Toi là-bas, mon gros. Fais un exemple avec. Oh, l'idiot. Là, déchire-le en deux. Je me suis fait péter. Ouh, merci. Je vais te nommer mon... Saint-Brailleur. Voilà. Je ne te décevrai pas. Et maintenant, obéissez. Bande de bons à rien. Tu es on a un boss. Tout de suite. Obéissez à mon frère, mes petits loulous. La Grande Arche vous appelle. Notre instant de transcendance approche. Empêchez les hérétiques d'approcher pendant qu'on se prépare pour notre transformation divine. Ouais, non, on va garder. Et là, il n'y a pas un petit truc... Bah non, du coup, c'est pas au même niveau. J'aurais dû acheter sur Sanctuary, c'est pas grave. Très bien, les amis. Donc, on arrête là. Parce que sinon, on va trop dépasser. Donc, bah, on ira voir le vilain monsieur, là, au Sanctuaire, dans la prochaine vidéo. Bah, je vous dis à très vite. Bye bye.